Hello, salut à tous, nouvel épisode sur Assassin's Creed 3 Remaster. Bon, on était allé voir en magasin là, on avait vu que finalement il n'y a pas grand chose de neuf, hein. En tout cas, ça ne nous intéressait pas plus que ça. Là, il y a une merde à récupérer ici. On va voir ça quand même. J'espère qu'elle va pas se barrer au moment où on arrive. Oh putain, on l'a pas chopé. Voilà. Nickel. Alors. C'est la bonne qu'on doit aller. Ok. Let's go. Hein. 300 mètres. Là, on avait revêti notre tenue d'Alexios. C'est vrai que la dernière fois on avait parti du mode, on avait parlé du mode nouvelle partie plus d'Ubisoft sur la majorité de ces jeux. Et on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse le mode nouvelle partie plus de Assassin's Creed Odyssey. Et je pense qu'on va attaquer bientôt sur la chaîne, je pense. Ouais, c'est l'autre côté. Je pense qu'on va revoir Alexius assez vite sur cette chaîne. Hop. Stéphane, qui a-t-il? Où est Sam Adams? Je m'en moque! On m'a volé! Oh, ils vont me le payer, ces sales scélérats! Ah, Stéphane, il est chaud. On l'avait déjà vu la dernière fois, c'est un... Où est-ce que tu vas? C'est un show, Stéphane. Ce qui m'appartient. Putain, on a les bras bien huileux. C'est un plaisir. Il a des tout petits bras. Tout petits bras, Connor. Oh, mais regardez-moi ça! Ces maudites tuiles écrous, je me tends de la joue! J'ai un sorcier sur le visage, au rouge de ta tunique! En fait, ouais, toi tu casses les couilles et moi je répare les pots cassés, quoi. Hein. C'est ça. Les bandits me prennent mon père au Canada. Et voilà qu'ils me ravissent ma propriété. Ici, ça suffit. T'as bien raison. Dis-leur. Et tout que ça, regarde-moi ces petites jambes en plus là. Regarde-moi ces toutes petites jambes. Bah alors, Connor. Fait pas de muscu dans le... Vous maltraitez. Ce ne sont pas nos maîtres. Cette ville est à nous. Il est temps de le prouver. Et il est temps de se battre! Voilà! C'est la révolution! Stéphane, arrête! Arrête et écoute-moi! J'en ai assez d'écouter! Ils viennent dans ma demeure, me prendre mes affaires! Non, mais je vais me venger! Celui qui a ordonné ça va payer! Et ses amis aussi! Voilà trop longtemps que je subis ces affronts! Ils vont goûter de mon courroux! Cherche la bagarre, l'anglais. Je ne vais pas te décevoir. Voilà. Il faut que je fasse encore un kill en mode passif. Ah ouais. S'il cherche des ennuis, la garde sera le plus.
Les Anglais! Votre roi... Merde! J'étais bien. Où que j'aille, l'Anglais croise mon chemin. Ils me volent ma maison, ils m'obligent à fuir mon pays, et maintenant ils veulent s'approprier ma nouvelle demeure. Cette injustice mérite d'être réparée, mais pas comme ça. Non. Allez Stéphane, montre-leur. Montre-leur, Stéphane. Putain, Stéphane Chaffaut. J'ai bien envie de l'appeler Chapeau quand même, mais... Vous croyez que je vais annoncer à Johnson que son thé a pris feu par enchantement? Crétin! Il y a forcément un responsable, et tu vas trouver qui c'est. Et si tu échoues, je t'étriperai, et je confierai la tâche à moins stupide que toi. Que comptes-tu faire? Ouvrir une porte. Utiliser vos recrues au combat ou activer leur capacité unique, maintenez LB enfoncé pour ouvrir la roue des recrues. Verrouiller une cible et appuie sur LB pour envoyer. Ok. Mais qui es-tu, bon sang? Voilà. Direct dans le trapèze. Ça fait du bien par où ça passe. Ah, ça doit piquer un peu. Hein. Pourquoi vous n'avez pas le droit de spoilier les gens? Avec ou sans l'aval du Parlement anglais? Le Parlement anglais? Je travaille pour William Johnson. Johnson? Achève-le sans souffrance. Pitié! Voilà. Sans souffrance. Les gens semblent écouter tes paroles. Ouais. Mais que vont devenir tes biens? Si les gens m'ont écouté, c'est parce que je leur ai hurlé la vérité au visage. Cela vaut bien 1000 fois le contenu de mon coffre. Les Anglais, ils peuvent se les garder, mes biens. Tu as bien agi, Stéphane. J'avais promis de t'offrir une bière quand tu m'as aidé. Mais maintenant, je suis prêt à t'offrir ma loyauté. Ton aide est la bienvenue et je t'en remercie. Maintenant, allons retrouver Sam Adams. Je m'attendais à autre chose, hein. Vu qu'on voit mes couilles en dessous de ma jupette, là, je m'attendais quand même à autre chose. Je suis prêt à t'offrir ma virginité, Connor. Ma virginité anale t'appartient, Connor. Bon, ben voilà. Ah, très bien. Puis en plus, on est revenu à peu près sur nos pas, quoi. C'était là où on a commencé la vidéo, donc c'est parfait. Guilde des assassins, vous avez une nouvelle recrue, maintenez LB enfoncé pour la roue des assassins. Ok, ok, ok. Par contre, je peux pas monter. Ouais, je peux pas choisir capacité, y avait pas moyen. Ouais, par contre, en vrai, je vais changer de tenue. Ce Alexios, sympa quand même, mais bon, on va quand même se prendre la tenue de Connor, ou du moins une tenue qui s'en rapproche. Monsieur Désir ? Parce que... Parce que ouais, c'est pas non plus. Oh attends, arme normale. Épée normale. Ah merde, elle est moins bien que la nôtre. Ah ouais.
Elle est moins bien que la nôtre. Elle est plus rapide, mais elle est moins bien que la nôtre. J'avoue, je sais pas, hein. J'avoue, je sais pas, hein. Petite arme. Dague de pierre, bon, on avait déjà vu ça. Arme lourde. Hache et sienne. Ça fait pas mal de dégâts pour le coup, ouais, mais c'est lent. Arme à feu. Pistolet patte de canard. Ah oui! Mais ouais, on a tout ça nous à débloquer. On a des armes quand même à débloquer avec le Ubisoft. Avec Ubisoft. Et on les a pas débloqués là, donc du coup autant attendre un peu, hein. Boston, Charleston, tu es assassin, tu es Ezio, tu es Shaker Mac, Jack of Rye. Qui pourrait être stylé quand même, tu vois. En fait, on va pas vraiment avoir le choix, hein. Ah, on va pas avoir le choix, hein. La seule qui est à peu près stylée, bah, c'est la tenue d'assassin, et puis sinon, c'est les trois autres là. Alors, après, dans les trois autres, laquelle serait mieux? Celle-là, elle ressemble quand même un peu à la tenue d'assassin. On va pas se mentir. Un peu plus sombre sur les bras et tout, c'est marron au lieu de blanc. Celle-là, ouais, c'est un espèce de gris, et il y a beaucoup de rouge. Et à celle-là avec un peu de bleu. Ouais, on va prendre celle-là. Ah, quoique, putain, ça coûte cher. Ah, ouais, ça coûte cher. Ça me fait chier, ça, par contre. Ça coûte gavé cher. Ouais, ça coûte gavé cher. Ah. On ne vit qu'une fois. Voilà. Faut bien profiter aussi. Voilà. Et carte. Ah oui, on peut récupérer tous les coffres comme ça. Mais en vrai, on va prendre les deux. Hein. On va prendre Boston Centre, on va prendre les coffres, voilà. On va prendre les coffres voilà, de ceux-là aussi, hein, du Nord. Comme ça, on a la localisation de tous les coffres dans ces endroits-là. Ce qui peut nous permettre de finalement récupérer un peu de thunes. Ouais, je pense que c'est peut-être pas trop con. Ouais, pas mal, hein. Pas mal. Ouais, non, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Ah ouais, du coup, fais voir. Merde, pardon. Je voulais pas. Ah oui, il y a des missions de libération, d'accord. Il y a des trucs de chasse en haut aussi. Là, on peut pas, mais parce qu'il y a pas de chasse dans une ville. T'as juste les missions de libération, quoi. Par là-bas. Par contre. Il y a un coffre au trésor ici. Oui, d'accord. Le coffre, il est en pleine mer, quoi. Hop, hop. Santé! Dans sa nage, hein. Il nage, Connor, hein. Il nage sévère, hein. Attendez, je me gratte un peu. Voilà, on est bien. Alors là, il faudrait que je me lève quand l'autre y repart là. Comme ça, je le bute et les autres ils sont même pas au courant. D'accord. Parfait. Et là-dedans, on a quoi? 1000! 1000 balles, 1200 balles. Ah, tu te rends compte, on a bien fait, hein. On a quand même bien fait. Mission de libération. On va aller voir ce que c'est quand même.
quand même aller voir ce que c'est. Il nous a fait un saut de côté là, Connor. C'est un saut de style. Vite ta bourse. Maudit voleur. Donne-moi ton argent, tu connais le principe, Dégarpi. Si tu veux te faire cogner, approche. Passe ton... Tu l'attraperas pas. Laisse-le. Restant. Vite, butez-le. Merci, étranger. Ces vermines contrôlent ces rues depuis quelque temps. C'est bien que quelqu'un s'y soit opposé. D'accord, je sais pas d'où tu me parles, par contre, frérot. Je te sens te mentir. Tu me parles d'un endroit, j'ai l'impression que t'étais carrément dans ma tête. Fabriquer la recette que vous venez d'obtenir, vous avez besoin de ressources, l'artisan. Objet Boston Centre. Papier, accessoires, capillaire, savon, poupée. Anneau doré. Eh bien, cool. Je suis ravi. Putain, ils ont disparu tous les cadavres. Je suis parti trop loin. Écoutez, on va se faire des petites missions libération, hein. Ça mange pas de pain. Vite ta bourse. Maudit voleur. Donne des guerpies. Si tu veux te faire cogner. Il l'attrapera pas. Laisse-le. Merde. Enculé. Merci, étranger. Ces vermines contrôlent ces rues depuis quelques temps. C'est bien que quelqu'un s'y soit déposé. Donne-moi ton argent, tu connais le principe. Bande de rapaces. Paye avant que je te rase. Mais c'est mon bien. Vite ta bourse. Maudit voleur. Donne-moi ton argent, Gerby. Si tu veux te faire cogner, approche. Le chemin. Tu n'attraperas pas. Laisse-le. Merde. Tant mieux. Cette vipère ne m'embêtera plus. Merci, monsieur. J'avais fini par m'habituer à faire détrousser par ces vols. Yeah.
Ah, c'est tellement bon. C'est tellement bon ce jeu. Pour les combats. T'as tellement l'impression de regarder un film de baston. En paix, on peut pas fouiller en paix, ouais. Tabé. Et en plus on les voit même pas sur la minimap, les mecs. Voilà. Putain. Poursuivre. En fait, là, je vais jamais pouvoir payer qui que ce soit. C'est infini. J'arrive à 13 à la douzaine, frère. Ah, par contre, quand le jeu il ment comme ça, ah mais frère, ils sont je sais pas combien là, on les voit même pas sur la map en plus. Faut que je puisse aller payer quelqu'un là. Ça a bugué en fait. Ça a bugué là, il faut que j'aille me TP ailleurs. Non? Ça a full bugué là. C'est indisponible en plus. Ah oui, donc t'es obligé de rester dans ton truc bugué quoi.
Mais je peux pas en fait, parce que pour le payer lui, il faut que je sois anonyme. Mais t'as tout le temps un mec pour me spot, on les voit même pas sur la map. Non mais frère, c'est insupportable par contre en fait, je peux pas m'en sortir. On m'attend même à la sortie. C'est de mieux en mieux. Incroyable. Je peux pas taper, je peux rien faire. Mais je tape dans le vide, frère. Allô, c'est quoi cette merde là? Ah mais gros, il y a des ennemis partout. Non, je peux pas fuir. Non mais attends. En fait, je peux juste pas fuir. Non mais c'est dinguerie. Non mais... Oh mais saute aussi frérot. Oh là 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 là. Non mais c'est une dinguerie. Non mais gros, il en arrive de tous les côtés en fait. Il savent où je suis à chaque fois. En fait je peux pas fuir en fait. J'ai aucun endroit pour fuir. Faut que j'aille dans l'eau, hein. Y a pas le choix, faut que j'aille dans l'eau. Hein. C'est infernal hein. Mais c'est vraiment infernal hein. C'est vraiment pas vivable hein. Donc là il faut que je puisse aller là. Sauf qu'en fait le problème c'est que on va se TP hein. Les ennemis attaquent à vue. Ben oui mais en fait les ennemis ils attaquent à vue. Et les ennemis ils sont partout sur la map. Donc en fait ça devient compliqué quoi. Mais ouais, en fait, putain, j'en ai marre. Je suis censé faire comment, en fait? C'est qu'à un moment, faut expliquer, en fait, au joueur comment il est censé faire. Si à chaque fois, les ennemis te détectent à l'autre bout de la map et il y en a un qui spawn derrière toi et que tu te fais tout le temps repérer quoi que tu fasses. Il y a un moment, faut expliquer un peu au joueur, faut lui dire, bon ben voilà, faut que tu fasses ça. Sauf que là, en fait, je ne peux même pas aller aux endroits... Qui règle ma notoriété en fait. Je ne peux même pas y accéder. Il y a tout le temps une patrouille pas loin. Et en fait je ne peux même pas y accéder. Et là t'as tout le temps un man là qui est dans le coin. T'en as tout le temps un. Et au final je peux pas en fait. Je regarde eux ils sont où? Ils sont là-bas. Ils tournent le dos mais. Et là t'as les mecs là-bas là en posture là ils attendent. Et eux ils sont en posture, ils attendent, mais ils attendent quoi? Ils attendent, on sait même pas ce qu'ils attendent. Oh, si je joue intelligent, on va passer derrière. Ouais, mais regarde, t'en as tout le temps. Regarde, t'en as partout, frère. T'en as partout, je peux rien faire. Je serai jamais. En fait, je peux pas être anonyme, en fait. T'as tout le temps un man qui me voit. Regarde. Ils sont là, t'as la patrouille qui revient là-bas, là. T'as les mecs à gauche, là-bas. Regarde, les mecs qui arrivent, là. Je ne peux pas, en fait. Je peux pas. Comment je suis censé faire, en fait?
Et là, t'as tout le temps un mec. Regarde, t'as tout le temps un mec qui arrive dans ton cul. Non mais, putain frère, je te jure, c'est insupportable. En fait, il faut mourir, hein. Et tu vois, la personne m'avait vu, hein. Là, il m'avait pas vu, hein, mais je suis sorti de ma cachette, il me voit. Alors qu'ils étaient dos à moi, hein. Bon, allez. Je vais me laisser tuer, parce que ça me gonfle. Hop. Allez, tuez-moi. Voilà, tuez-moi. Voilà. Merci. Ça n'a aucun sens en fait, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas jouer en fait, c'est... Tu peux pas atteindre... Au moins j'ai ma thune, au moins. C'est une bonne chose déjà ça. Contrat de libération, ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc ça? On va aller voir. Toi. Ah ça, c'est quand même un truc de fou, je trouve, hein, que... On est d'accord, vous qui m'avez regardé là, on est d'accord que c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que je n'avais aucune échappatoire possible en fait. Il y avait des ennemis qui popaient dans des endroits en fait, genre dès que j'étais safe nulle part. Et au moins d'endroits où j'étais safe, il y avait un ennemi qui popait derrière moi en fait. Genre il spawnait derrière moi. Donc en fait, j'étais juste à l'aise. Enfin, je ne pouvais aller nulle part en fait. Et t'es obligé d'être anonyme en plus pour soudoyer les gens. Donc je veux dire, faut que je sois anonyme, mais je me fais repérer H24 en fait. Y a pas un endroit où je suis safe, donc faut peut-être... Je sais pas, faut savoir en fait, je suis censé faire comment en fait, faut le dire. Stéphane, cette bière est à ton goût? De la vraie pisse, mais ça reste de la bière. Mon père l'aurait craché, mais... Tu tiens rien dans ta main, avec toi, il faut se détendre. Je préférerais une bonne bouteille de vin, mais ces colonies manquent de raffinement. Ton père? Mon père, c'était un grand homme, cuisinier dans l'armée française pendant la guerre de 7 ans. Il a parcouru tout le Nord en cuisinant pour Louis-Joseph de Montcalm et ses officiers. Il préparait des festins avec des brindilles et des baies. Et quand le commandant en chef a préféré combattre que se cacher derrière les remparts de Québec, tous les hommes ont dû prendre les armes. Et mon père avec eux. Il est mort au combat. Mais on m'a dit qu'il s'était battu comme un lion. Ah, peu importe, il n'est plus. Il serait fier de toi. C'est mon unique souhait. Qu'il approuve les choix que j'ai faits. Ok. Et donc ? Non, parce qu'en fait, il est censé avoir marqué contrat libération, en fait, et... Connor, tu as le temps de parler? Bah, tout dépend, ouais. Bien. Je voulais te demander une chose. Oui? Comment es-tu venu à faire ce que tu fais? Je ne l'ai pas cherché, mais je crois que j'y étais destiné. J'étais un jeune garçon quand j'ai rencontré Achille. Il a fait de moi un guerrier. Aussi simple que ça. Moi, la cuisine me manque, pour être franc. J'y avais plus de pouvoir que je n'en aurais jamais dans ce monde-ci. Mais ce nouveau travail me permet de faire goûter mes talents à plus de gens et... Bah, et ça me réjouit. On peut encore changer les choses, si on se bat. Les Français du Nord débordent d'énergie. Demande aux femmes. Ok, bon, écoute... Très bien. C'est bon, du coup, c'est fait. Fallait juste lui parler. Eh ben, parce que j'appelle un contrat, hein.
pas ce que j'appelle un contrat, hein. Un fort. Parce que là, il y a un fort, là. On va aller faire la quête avant. Et on verra si on peut pas s'attaquer à un fort après, là. Ça avait l'air moins loin que ça sur la map. Merde. À tous les il paraît qu'ils ont décidé de renvoyer trois navires avec leur cargaison. Oui, mais le gouverneur Hutchinson s'oppose à leur départ. Ok. Et maintenant ? On attend le signal. Quel signal ? Cette assemblée ne peut rien de plus pour sauver notre nation. Celui-là. Bonsoir, messieurs. Êtes-vous prêts? Non. Que se passe-t-il? J'ai passé la journée à errer d'une folie à l'autre sans comprendre le sens de mes actes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles sont tes intentions. Bien sûr. D'abord, nous allons nous rendre chez Nathaniel Bradley pour rassembler le reste de notre groupe. Puis, nous irons à Griffin's Wharf pour aborder les navires et jeter le thé à la mer. C'est simple, non? Plus simple à dire qu'à faire. Allons, Connor. Ce soir, nous aurons tous gagné. Les Fils de la Liberté vont envoyer un message à l'Angleterre, et tu vas priver Johnson de ses finances. Ton village sera sauvé. J'ai une idée. Pourquoi n'ouvres-tu pas la voie? Ça nous épargnera les mauvaises rencontres. Non? On le sent pas, hein. Samuel Adams, ça... Sa gueule me revient pas, moi. Bon sang, d'autres gardes! Nous devons absolument tirer profit de la colère des habitants. Donne l'ordre, Connor, et je m'en charge! Voilà. Pour l'instant, on n'a pas vu s'il y avait des défis secondaires, il n'y a pas l'air d'en avoir. Par contre, il fait son taf, hein, Chafo. Ah, quand tu l'envoies, je pensais qu'il allait en tuer qu'un. Au final, il a foncé sur les autres, tête baissée. Alors, c'est peut-être la solution pour s'en sortir, hein, finalement. Ah oui, d'accord, il y a un temps de recharge. Voilà. Des caisses qui sont tombées puis revenues. Des soldats. Il faut tenir ces chiens à distance pendant qu'on jette le thé à la mer. Alors c'était une caisse vide quand tu es dans les bras. Dis-moi voilà, ce que ouais.
Très bien, mon pote. Non, non, on est bien. Non. Ça arrive de là-bas. Ah bah oui, c'était mes ennemis tout à l'heure et puis là c'est mes alliés, tiens. Voilà. Quand ils tombent à l'eau, à cette époque-là, ils sont morts. Merde, vite. C'est galère hein. Allez, jetez-moi ça, les mecs. Laisser se débrouiller de ce côté-là parce qu'ils ont des hommes alors que là ici il y a personne. Alors par contre j'ai appuyé sur contrer, il y a plein de fois où t'appuies sur contrer et ça contre pas. Ah mais lui il se fait survoler là.
Ah mais là je pouvais même pas contrer là. Ah mes frères Ah des moments c'est bien buggé quand même hein. Ah des moments c'est quand même bien buggé hein. Nous avons réussi. Tu peux pas contrer et tout, il y a des moments où tu spammes hein. Tu spammes ta touche, tu peux pas contrer. Oh Connor. On les connaît eux. On en connaît un du moins. Dans Unity. Lui là, il est dans Unity. On le tuera pas, on le tuera pas cette fois. Il va mourir dans Unity, mais... Par contre, l'autre, en rouge... Hein. Ah merde, attends, ouais, on en a loupé deux. Dommage. Bon, bah voilà. Ah moi je trouve ça juste dommage que ça soit un peu buggé sur certains points, ouais, je trouve ça un peu dommage. Ça gâche un peu l'expérience finalement. Oui, ok. Bon, bah là, il faut qu'on aille il faut qu'on retourne au domaine. Allez, let's go to the domain. De toute façon, on va y retourner à Boston. On a même New York, du coup, qu'on a vu. Qu'on n'a pas encore découvert. Ouais, non, nous, on a vu que c'était au bord de la falaise qu'il fallait qu'on... On se capte. C'est fait. La sacane qui faisait du... Johnson est mort. Non. Il est parti pendant qu'on détruisait son thé. Pour préparer d'autres horreurs, sans doute. Tu aurais dû le tuer, Connor. C'était inutile. Ça, seul le temps pourra nous le dire, mon petit. Pas fou. Ganondorgon. Soigne-moi cette calvitie, frérot. Il est arrivé quelque chose? William Johnson est revenu, avec la somme nécessaire pour acheter nos terres. Il parle aux anciens en ce moment. Je les ai implorés de refuser, mais Johnson triomphera sûrement si tu n'interviens pas. Comment a-t-il fait? On a détruit le thé. Sache que les Templiers parviennent toujours à leur fin. Tu aurais mieux fait d'écouter mes conseils. Mon frère, tu dois empêcher ça. Bien sûr. T'inquiète donc pas. Sais-tu où a lieu cette rencontre? Regarde-le, la vieille brebis galeuse, là. Il est bon qu'à dire, hey, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Ah bah la prochaine fois, tu m'accompagneras, hein? Enculé. Alors, mission scénario. Domaine. Hop. On va se déplacer comme ça parce que sinon ça devient vite long quoi. Alors. Oh, tiens, c'est asthmatique. Octadion. T'inquiète, Calvman.
Izzy not gonna der la dit canusa de ne Johnson's you jot der rockstar. Guahigansi what neganun hardadun hagedum. The god der hard at guah canto. Atteignez Johnson sans être détecté, atteignez le bâtiment au sommet de la falaise. Faut que je fasse le tour, non? Ça se soigne l'asthme. Un peu de vent. Ah merde, ouais, putain. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il faut absolument que je descende, quoi. Ah oui, non, d'accord. Il y avait peut-être plus tôt à faire comme... comme saut, il y avait peut-être mieux à faire. Oh là 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 là, gros, la session, comme elle est buggée, frère. C'est un truc de fou, frère. Putain, c'est fou comment d'une session à l'autre c'est pas égal. T'es d'une session, t'as aucun bug, et puis la session d'après, c'est full bug. C'est fou quand même ça. D'accord, ok, incroyable. Incroyable. L'autre, j'étais sous l'eau. Indétectable. Le mec, il allait se mettre comme ça. Allez, allez, vas-y, viens, 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 viens. C'est genre, il me voyait en fait à travers. Je sais pas, ça a pas de sens. Et c'était pas comme ça à l'époque. Hein. Ça veut dire que les bugs, ils sont apparus avec le remaster. Hein. À l'époque, c'était pas comme ça. Hein. Je me souviens pas que ça soit comme ça. C'était comme ça à l'époque. Hein. Repère de Gavelon maintenant en plus. Regarde le mousquet. Ah frérot, je te jure. Ah c'est infernal gros, tu peux même pas être assassin en fait. Tu peux pas être assassin. On va s'arrêter après cette session hein, ça va me gonfler moi. C'est vrai, des terres qui ne sont pas à toi. Seule votre prospérité m'importe. D'autres veulent vous trahir et vous manipuler. Ou pire encore, prendre ces terres par la force. Nous sommes au courant des expéditions que ton peuple lance contre nous. Comment ça, mon peuple? Nous sommes tous le même peuple. Agissons tous ensemble. Comment? En te donnant nos terres? Nous serions unis, oui. Mais à chaque fois, Sir William n'a pas. Comment pourront-ils à leur force et à leur poudre noire? Les esprits nous guideront, comme ils l'ont toujours fait. N'ont-ils pas guidé nous? Oui, on n'a pas de démasquer les grands prêtres. C'est une erreur, une fausse. Hop, bon, on va s'équiper de l'arc hein, plutôt.
Ah, c'est con parce que je suis sûr que j'aurais réussi à le faire en plus. Si on s'était pas fait détecter bêtement là, comme ça là. Par un bug là, par un volac de l'IA. N'ai-je pas toujours été de votre côté? N'ai-je pas toujours cherché à vous protéger? Si tu veux nous protéger, donne-nous des armes, des chevaux et des mousquets pour nous défendre. La guerre ne résoudra rien. Nous n'avons pas oublié Stanwix, ni la modification des frontières. Aujourd'hui encore, tes hommes creusent la terre sans se soucier de ceux qui y vivent. Tes paroles sont douces, mais fausses. Nous ne sommes pas venus négocier ni vendre. Nous sommes venus te dire de quitter ces terres. Très bien. Je vous ai offert la paix. Et vous l'avez repoussée. Peut-être la violence saura-t-elle vous convaincre. Tu nous menaces? Oui. Mais on a tous les ouais. Bon allez, on va l'assassiner, ce fils de pute, comme ça au moins c'est réglé. Voilà. Ah non. Mais qu'as-tu fait? J'ai fait échouer tes plans. Tu voulais ces terres pour les donner aux Templiers. Oui. Afin de les protéger. Tu crois que le bon roi George se soucie vraiment du sort qui attend les indigènes de son royaume? Ou que les citadins s'intéressent aux tribus indiennes? Oh, bien sûr. Les colons sont ravis de commercer avec elles, quand ils ont besoin de nourriture. Ou encore de vivres pour leurs armées. Mais quand la ville sera trop petite, et que les champs ne suffiront plus, quand il n'y aura plus d'ennemis à combattre, ils révéleront leur vraie nature. Les colons ne feront pas la guerre aux Iroquois. Pas maintenant. Mais ça viendra. Le monde est ainsi fait. La guerre viendra. J'aurais pu l'éviter. J'aurais pu tous vous sauver. Tu parles de les sauver, et pourtant tu les tuais. Oui, car ils refusaient de m'écouter. Et toi, mon pauvre, tu te trompes. Ah ouais, il n'y a ni raison ni tort en fait, parce que... Tu vas aux États-Unis, il n'y a plus beaucoup de rocos. Donc, ils ont quand même été un petit peu, ouais... Allez, tape là-dedans. Hop là, hop. Oh, j'ai fait un contre. Mais oh là là, je vais hurler. Oh là là. Oh, faut que je me calme. Oh gros, le nombre de fois que je contre la putain de ma mère et que ça contre pas, frère. C'est un enfer. Le nombre de fois que je riposte et que ça riposte pas. Hein? Mon perso, il fait l'animation de contrer, ça ne contre pas!
Oh, c'est infernal, hein. Putain, je déteste ça, frère. Les jeux mal branlés comme ça, là. Oh là 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 là. Et là, c'est le remaster hein, qu'ils ont fait ça. C'était pas comme ça avant. Tu sais, les mecs, ils te font un remaster d'un jeu qui fonctionne, ils t'en font un jeu buggé, ces cons-là, là. C'est vraiment... Ah, je suis dégoûté, parce que en plus, j'avais que des points... J'avais que des... Qu'un avis positif sur le jeu, pour l'instant. Et au final, putain. Entre le spawn à l'infini des mecs, quand t'es en recherche x3, niveau 3... Et les contres qui passent pas, les parades qui passent pas, et les contres qui ne passent pas non plus, enfin, je veux dire, c'est infernal, hein. C'est infernal. Et au moins, récupère un peu d'oseille, au moins. Oh, je termine cette mission, on s'arrête là parce que voilà, c'est trop pour moi. Hein. C'est déjà trop pour moi. Oh non, oh non. Oh, j'ai même envie d'arrêter maintenant. Oh, ça me gave. Oh, je te jure, ça me gonfle. Allez, je me casse. Allez, ciao. Ciao, bambino. Voilà. Hop. On se casse, rien à foutre. De toute façon, ça a récupéré mes thunes. Bah, les steaks. Je peux pas sauter par là. Incroyable. Je peux sauter par là. Voilà, parfait. Voilà. Alors que pareil, hein, je suis dans 1 mètre d'eau, mais. Voilà. Là pareil, on se fait repérer, on ne sait pas comment. Et je suis à 1 mètre de lui, je me fais pas repérer, je me fais repérer quand je suis à 20 mètres de lui. Ah ouais, frère, vas-y, moi ça me gave là, ça me gave. La session... Et quand c'est comme ça, faut pas pousser en plus, parce que après tu commences à t'énerver, il n'y a plus rien qui... Tu repères tout... Enfin, tu vois que le négatif, et c'est pas bon. William Johnson est mort, emportant avec lui le plan des Templiers visant à voler les terres de mon peuple. Mais en éliminant cette menace, j'en ai découvert une autre. Il détenait une lettre ordonnant à John Pitcairn de trouver et de détruire les armes et les vivres des Patriotes. S'il y parvient, la résistance des colons s'effondrera et les Templiers s'empareront du pouvoir. Le danger subsistera tant que Pitcairn vivra. Je dois le trouver et lui ôter la vie. Déjà, on a une cible de moi, déjà. Je pensais que j'y verrais plus clair, que j'en serais soulagé. Mais je ne ressens que le remords. C'est une bonne chose. De tels sacrifices doivent peser sur l'âme. Je devais le faire. Pas seulement pour mon peuple, mais pour ceux que Johnson aurait fait souffrir. Oui, c'est un début. Mais pour nous libérer de l'influence des Templiers, tu vas devoir tous les tuer. Même ton père. Je sais. Penses-tu le savoir? Ou le sais-tu vraiment? On a de la compagnie. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel à l'aide de Paul Revere. Les tuniques rouges préparent quelque chose à Boston. Tu as dû faire forte impression sur les fils de la liberté. Ils me prennent à tort pour l'un des leurs. Dites à Monsieur Revere qu'il a ma sympathie, mais que je ne peux l'aider en ce moment. Sache une chose avant de refuser. J'ai lu le nom de John Pitcairn. Où dois-je aller? Monsieur Revere habite à Boston. Si vous voulez, je... Allez, pousse-toi. Bon, bah écoutez, on s'arrête là, parce que ouais, sinon je vais être de mauvaise humeur finalement. Donc, on s'arrête là, et puis on se retrouve ici la prochaine fois. On va laisser quelques jours passer entre temps. Comme ça,
On va peut-être. Ah. Peut-être qu'avec un peu de chance, il y aura plus de bugs. Non mais, ouais, non mais là faut quand même les compter, c'est un truc de fou. Autant la dernière session, on n'a eu aucun bug, genre quasiment aucun, même, ouais, aucun. Là, ça a été mais fou, mais un bug sur un bug sur un problème de jeu, un problème d'optimisation, enfin d'optimisation du jeu, de la manière dont c'est foutu. Les enfin c'était infernal. Là, y a rien qui allait, en fait, y a rien qui allait. C'était un foutoir cet épisode. Bon, bref. Comme quoi, mais c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça aussi que je fais des sessions comme ça où il n'y a pas de montage. Souvent les gens me disent, ouais, tu pourrais faire des montages, tu pourrais faire des montages. Non, en fait, je garde le gameplay brut. Pourquoi? Parce que, en fait, ça permet aussi de montrer aux gens, si vous voulez un jeu, qu'est-ce qui vous attend. Tu vois, avec des montages, il y a des choses que tu peux cacher, tu vois. Tu peux cacher des moments qui se passent pas bien, des moments où t'es un peu tilt et tout. Sauf que moi, je cache pas ces moments-là, en fait. Parce que ces moments font partie du jeu. Et les bugs, comme ça fait partie du jeu. Et je vais pas embellir le jeu. En fait, personne me paye, en fait. Donc, et puis même si on me paye, en fait, moi, on me paye. Si je suis censé faire une pub pour un jeu qui est full buggé, en fait, j'annule la pub. Enfin, j'annule le contrat pendant le truc. Je veux dire, je vais pas vendre une merde buggée, quoi. Je veux dire. Tu vois, tu vois le principe? Moi j'ai un peu d'éthique, en fait, tu vois, j'ai un peu de personnalité, en fait. Moi je suis pas une pute, tu vois, on m'achète pas comme ça. Et c'est comme tout, en fait. Mais il y a plein de gens, hein, comme ça, hein. C'est comme il y a plein de gens, ils aiment Counter-Strike et ils sont incapables de voir le négatif dans Counter-Strike, tu vois, parce qu'ils aiment Counter-Strike, mais ils sont incapables de voir le négatif. Alors que en vrai, enfin, moi je vois le négatif dans tout ce que je fais, en fait. Je suis capable de pointer le négatif, en fait. Je suis la pute de personne, en fait, et je me suis fait acheter par personne, et mentalement je me fais manipuler et acheter par personne. Et là, vraiment, ce qui se passe dans cet épisode, c'est vraiment une dinguerie, mais c'est une dinguerie. Tu vois, comme je dis, en fait, j'étais ultra content du jeu en l'état actuel de ce que j'avais à la session dernière. J'étais hyper content. Et cette session m'a un peu cassé le truc parce que je me dis, en fait, l'expérience, elle est buggée, en fait. Il y a plein de bugs, il y a plein de problèmes, en fait, qui font qu'au final, tu peux pas faire vraiment comme tu veux. Tu vois, l'IA qui te wallhack, en fait. L'IA, elle te wallhack. Même tout à l'heure, on l'a vu, en fait, je suis. Que quand j'essayais d'échapper à la foule, là, les mecs ils revenaient indéfiniment, ils étaient partout, ils étaient dans mon cul, ils spawnaient directement à l'intérieur de mon anus, t'sais. Donc forcément que j'étais repéré H24. Et ben on ne pouvait pas. On l'a vu. En fait, je me cachais. Ils étaient de dos à moi. Je me cachais, je sortais de la cachette, ils étaient de dos à moi, ils me repéraient alors que j'étais sorti de la cachette. Comme si ils avaient les yeux dans le dos et qu'ils attendaient juste que je sorte de ma cachette pour me repérer, tu vois. Et ça, c'est des problèmes qu'il n'y avait pas à l'époque, en fait. Et c'est des problèmes qui ont été rajoutés avec le remaster, tu vois. Et enfin, bon, bref. Du coup, on s'arrête là et puis, ouais, on se dit à la prochaine, hein. Allez, ciao.